Alors, on va recommencer. Le zoo du Bonheur ensoleillé Mayer, sans difficulté moyenne. On a réussi à avoir l'étoile de bronze, mais le reste, c'est compliqué. Donc, le nom du zoo du Bonheur ensoleillé Mayer, c'est plein de promesses, mais la réalité est bien plus sombre. En effet, ce parc a été construit à partir des matériaux les moins chers. Les lois sur le marché du travail, ils sont étonnantes, les taxes énotent étonnamment l'autre. Vous allez devoir relever de nombreux défis pour redresser la bande de navire avant qu'il ne heurte un iceberg. Super! J'ai pas encore bu ma bière. À votre santé, avec modération. La boisson des vrais gars qui se colle. Et puis là, il y aura du son cette fois, Luneco. Et si jamais ça t'intéresse de suivre la chaîne, si je fais d'autres jeux hormis Planet Zoo, n'hésite pas, t'es le bienvenu. Ça ne coûte rien. Et je suis aussi sur YouTube, au passage. Parce que je ne sais pas qu'on s'est déjà croisé. Ah non, pas le Red Bull. Non, je déconseille, monsieur. Désolée de vous rencontrer seulement maintenant, mais je suis Emma Goodwin, la fille de Bernie. Nancy m'a donné vos coordonnées. J'espère que ça ne vous dérange pas. Je me permets de vous contacter à cause du tort que Dominique Myers fait à la profession de zoologue. On peut dire qu'il l'a détruit à grande échelle. Cet homme n'aurait jamais dû avoir le droit de racheter l'entreprise de ma famille. Sa cupidité corrompt tout ce qu'il touche. Toutefois, j'aimerais que vous continuiez de travailler pour lui. Je prépare quelque chose. Je ne peux rien vous révéler, mais quand l'heure sera venue, j'espère vraiment que vous viendrez travailler pour moi. Peut-être qu'à nous deux, nous pourrons réparer les dégâts causés par Monsieur Myers. D'ici là, bon courage. Que pensez-vous de ce zoo? Il a du potentiel, hein? Rien de concret pour l'instant, mais il est prometteur. J'ai une bonne nouvelle à annoncer. J'ai passé un accord avec un constructeur local. Vous pouvez utiliser autant de parpaings que vous voulez ici. Mais pas grand-chose d'autre. Oh, et il y a un tout petit souci juridique avec les employés. Vous ne pouvez pas les licencier, ni en embaucher. Sauf des vendeurs, bien sûr. Veillez à ce qu'ils soient toujours contents ou vous aurez des problèmes. Enfin, le véritable problème ici, ce sont les impôts locaux. Je vous la fais courte, mais je vais devoir faire des prélèvements annuels considérables dans les comptes du zoo pour pouvoir les payer. Bon, vous devriez vous y mettre. Je veux voir toutes sortes d'animaux ici, des girafes, des guépards, des orangs-outans, des animaux poilus, quoi, histoire qu'on ne dépense pas trop en chauffage. Par contre, réservez un accueil chaleureux à la journaliste qui arrive. Je sais qu'il n'y a pas de mauvaise publicité, mais faites-moi confiance, si c'était vrai... Je n'aurais pas été contraint d'acheter tous ces os. Bon. D'accord. D'accord. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce zoo? C'est ça qu'il faut se dire, clairement. Bon courage, égale traduction, égale, va te faire. Bonjour, cordialement. C'est tout à fait ça, Nepo. Neko, pardon. Alors on va, je veux juste faire un petit tour de l'ensemble de la zone. C'est pire que le zoo, c'est pas ça dans The Tycoon pour si tu as connu. Bon, on va essayer de comprendre ce qui va pas. Déjà, ça c'est très important. En zoo, il y a quand même pas mal d'espace, hein, c'est plutôt pas mal. Ouais, on peut dire ça aussi, tu me diras. Attends, là, c'est quoi qu'on a? C'est une tortue, hein. Bon, au niveau de l'espace, elle est plutôt pas mal. Par contre, je pense que déjà, la clé, c'est... Enfin... Il y a un panneau éducatif, là.
En fait, ça, je l'ai pas vu qu'il y avait les panneaux éducatifs. Je m'en suis rendu compte qu'après. Ou alors je me casse trop la tête, peut-être tu me diras. Salut Mitrandir, comment vas-tu l'ami? Bienvenue à toi. Bah j'essaie des trucs Lou, hein, il faut bien. Hein. Bon, tu arrives pour le deuxième retry du jeu. Donc là on a quoi là-dedans? C'est une tortue des Galapagos. Enfin des géantes des Seychelles, j'ai confondu, bravo. On a des distributeurs, bon, on va les mettre côte à côte, j'aime pas quand il y a trop de séparation. Hein. Ça va, on tente des trucs. Alors, nouveau monde poubelle, ouais. Donc là, l'idée, on va essayer d'agrandir un peu la clôture de cette tortue. Bon, on dirait que c'est peut-être pas nécessaire, mais... Votre honneur. Cinq. Allez, on va essayer de partir comme ça. Alors attends, si je fais ça, admettons. Enfin, je peux pas le péter, tu vas me dire. Oups, attends, quoi. Alors pourquoi c'est obstrué? Y a rien qui gêne là, c'est bizarre ça. Attends, c'est quoi ça? Les éclairages, on s'en fout un peu, tu me diras pour l'instant. Il fait tout le temps jour ici, donc bon, ça règle le problème. Voilà, comme ça, ici. Voilà, déjà la torture a un peu plus d'espace, c'est un début. On va lui rajouter plus d'herbes longues déjà. Une tortue se fait à 8 h sans fuir comme si. Oh putain, non mais des fois c'est abusé la réaction. Encore contre un ours, un fauve, je veux bien, mais contre une tortue, s'il te plaît. Par contre, il manque du sable. Hein. Voilà, pour le terrain c'est bon. Ouais, je pense que je vais en mettre une autre déjà. Par contre, il va nous falloir un petit ventilo là. Histoire de réchauffer l'atmosphère.
Si je connaissais l'imbécile qui a décidé de bâtir un zoo en plein milieu de ce frigo. Voilà. Hop. Alors c'est. Alors la question de savoir. C'est un mâle ou c'est une femelle? Bolade. C'est une femelle de 30 ans. Donc on va essayer de lui trouver un mâle de cet âge-là. Tortue des Seychelles. Hein. De cette tortue, sérieux, encore elle est potable, je trouve. Bon, allez, allez, va la rejoindre ici, comme ça, hop, elle sera moins toute seule, elle sera ravie. Bien. Alors. Déjà, j'avais fait un truc tout à l'heure qui m'avait semblé pertinent. Voilà. Ce zoo, ça va être une horreur. Hein. Je vous le dis franchement. J'ai essayé de trouver de la place pour les... Pour les... Eh ben, je sais ce que je vais faire. Je sais où je vais mettre mes trucs. T'es dur. T'es dur, loup. Pauvre bête, quoi. Elle a rien demandé. C'est un animal, c'est sacré. C'est sacré, hein. Là. De deux. Ah bah écoute, ça c'est un autre débat, les chers loups. Tu savais que tu savais pourquoi t'as signé. Maintenant faut assumer, monsieur ou madame, je sais pas. Je dis ça et en fait bon, le caillou. Voilà. Ah ça, la neige, c'est une horreur, clairement. Bah attends, tu sais quoi, j'ai une idée. Ça, si on voit pas les visiteurs, on va être peinard. Il y aura pas d'attrait négatif. Bon, c'est des dépenses, mais je pense que c'est intéressant. Bon, ça va. Alors, je voulais pas t'offenser. Hein. Je préfère demander. On sait jamais, une boulette, ça peut, ça m'est déjà arrivé en plus. Hein. Salut, Momon, comment vas-tu, l'ami? Bienvenue à toi. Il arrive pour le second reset. Bon, de toute façon, le premier, je l'avais un peu raté parce que pendant une demi-heure, j'étais sans son. Pendant. Heureusement que Lou me l'avait dit quand il est arrivé. C'était plutôt pas mal. Putain, moi aussi, j'en fais des misclics. Hein. Je suis pas comme Maf Gaming, mais. Mais je m'y approche, hein. Lol. Alors, attends.
Non, non, non. Évidemment. Parfait. Ah, Myers n'a pas payé le volume. Ah non. Ah non, il a pas payé le volume. Ah non, non, c'était en option aussi. C'était supplément. Mais ouais, mais ma fille a déteint sur moi. Momon est mis en délire et loup. Alors, bon, à un moment, je peux plus faire grand chose. Hein. Voilà, il y a juste celle-là qui m'embête un peu, je vais la redéplacer. Non. Lui, je vais juste le déplacer. Voilà, ça ira un peu mieux comme ça. Je pense que ça se verra un peu moins. Il y a vélo aussi, je voulais déplacer cette centrale là. Alors par contre là j'ai un petit souci avec la carte. En fait la neige c'est une horreur. Parce que vous voyez pas ce que vous voulez faire. Voilà, on va s'arrêter là pour l'eau. Et ben voilà. Alors, combien d'animaux dans ce scénario? Bah déjà, on doit en adopter deux gratos. À savoir un guépard et un orang-outan que j'ai tout de suite placé. On a des trucs avec le personnel, ça m'a l'air d'être assez bordélique, mais je pense que c'est faisable sur le papier. On a un tigre du Sibérie. Putain, c'est gros un tigre du Sibérie, j'imaginais pas à ce point-là, quoi. Donc lui, il faudra améliorer la taille de son enclos, hein. Je pense qu'il y aura des trucs comme ça au niveau de la subtilité. Et surtout, à mon avis, on va devoir se faire... Bah, tenez, bah tiens, excellente idée, Momon. Voilà un petit peu toute la liste d'animaux que nous avons à l'heure actuelle. Que ce soit les animaux classiques ou les animaux de vivarium. Donc là, on a déjà plusieurs animaux de vivarium, de ce que je lis. Donc le tigre est pas content, le zèbre non plus. Le lycaon, c'est une catastrophe. On a un grizzly. Bon. Ils savent pas ce qu'ils les attendent, ceux-là. En gros, ce zoo, c'est le zoo de la merde. Hein. Clairement, je vais être franc avec vous. Alors là, franchement, pour le scénario, je me demande si je vais pas inverser les enclos. Je vais mettre le orang-outan ici, il aura de l'espace. Et je vais mettre la panthère là-dedans. Je pense que ça me semble pas déconnant. On va tester. Hein. Déjà, on va mettre là. Et on va tout de suite pointer la tortue. Bah, elle est déjà en route. L'autre tortue pour joindre ça, parce que bon, on va essayer de faire de la procréation, enfin de la reproduction, on va dire. Donc déjà le zoo, c'est une catastrophe. Hein. Ça manque aussi de boîte à dons, on va en rajouter. Hein. Catastrophe. Alors là, on a une boîte à dons, on en a une deuxième là. Donc là, on n'en aura plus besoin. Peut-être ici, tu me diras. Bon, par là, ça devrait être bon, mais on en a déjà deux aussi. En vrai, je pense que l'erreur que j'ai fait pour les salaires des employés, j'ai tout remonté d'un coup. Et au contraire, je pense que c'est pas le bon plan en fait. J'ai déjà commencé par les vendeurs.
C'est eux la plaque tournante. Hein. Oui, on va dire ça. Je sais même pas dans quel coin du monde on est. J'y ai même pas regardé, tu vois. Alors, il nous en reste combien encore à faire? On va laisser au niveau minimal, comme ça on sera tranquille. Donc, ouais, pas de salle du personnel accessible. Et les trois que j'ai conçus, elles servent à quoi? Elles font de la figuration? Ouais, tu sais quoi? On va la dupliquer, allez. Voilà. Bon, j'espère que ça va suffire. Bon, il y a un gars qui arrive. Les statues, on peut pas les revendre, je suppose. Non, on peut rien revendre, quoi. Maintenant, on va s'occuper un peu de notre panthère. Alors, elle est où? Pour moi, elle a l'espace, hein. Ouais, ça va aller à l'espace. Par contre, je crois que j'ai fait une petite connerie là. Il peut l'escalader et en plus, bah, on va éviter, hein. Voilà. On va éviter qu'une panthère s'évade. Hein. Enfin, une panthère, un guépard, pardon. Alors, le guépard, qu'est-ce qu'on peut lui mettre pour commencer? Bah, déjà, on va réchauffer le coin. En plus, une horizonge, le loup. Ah bah, bravo. Ah bah. Déjà, on va faire en sorte que... Bah, on réchauffe ici. Donc lui, il a un abri, ça c'est une bonne chose. Et je pense aussi que j'ai mis tout à l'heure, j'ai mis trop de ventilateurs. C'est ça aussi qui m'a pas aidé, quoi. En vrai, il faut les placer stratégiquement, efficacement. Ah, ça va venir, Lou, ça va venir, attends. Voilà. Je pense qu'on est plutôt bon. Je suis pas sûr. Hein. Alors on n'a pas d'électricité pour ce service. Comment ça se fait? Bon, on va rajouter un nouveau truc là. Voilà. Là, ce sera alimenté en électricité. Donc là, on est plutôt stable. Ah, il... ah bah oui, il... oh, le con, il le voit. Il le voit ici. Ah, ah. Voilà. Oui, tu peux le dire, Lou, hein. Je le dirai pas, mais l'idée, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le sujet. Bon, même si là, je trouve que le départ est un petit peu mieux.
Là, on va éviter de tout déconstruire là. Est-ce qu'on peut... Si je vire juste la porte. Je sais à quoi ils pourraient servir ces trucs-là. On pourrait les convertir en abri temporaire pour les au lieu d'en bâtir des nouveaux, quand on y réfléchit. Bon, seul truc de loup, on s'en fout. Faut dire que Mayer, c'est une personne qui achète des œufs bizarrement par cher. Bah, c'est clair, mon mon. De toute façon, connaissant le personnage, on peut se douter. Donc là, on va éviter la rail là. Bon, déjà, est-ce que au niveau des bénéfices, on se rapproche ou pas de l'objectif? Donc là, on a nos deux tortues des Seychelles ensemble. Bon, là, ce qui est cool, c'est que, ben... Alors, admettons, je baisse la portée. Ah, la portée influe sur le coup. Mais tu sais quoi, on va le mettre de moitié déjà. Je vais tester un truc. Là, on a un abreuvoir. Là, on a une auge. Bon, là, le terrain, il va partir progressivement. Ça va être bon pour nous. Donc là, ce qui manquerait pour améliorer le bien-être des animaux, ce sont les optimisations. Une carte thermique, on va voir un peu comment ça évolue. Bon, je fais la tronche. C'est félin. Hein. Des vrais pas chats. Qui a un chat dans le chat avant que je me fasse à lui? Donc, à part nous, bien sûr. Mitrandier ou Momon, vous avez un chat, peut-être un chien? Hey, le stagiaire relou, là, tu vas te calmer ou sinon je t'envoie dans ce zoo, hein? Oh, faut arrêter le délire. Hein. C'est pas trop dur, Mitrandir. Moi, ouais, il est devenu une sacrée peste. Ah bon, ça mérite d'être clair, ok. Bon, on va se concentrer sur l'habitat de notre ami. Tiens, c'est vrai que j'ai pas mis de bouffe, tiens. Alors justement, je vois la couverture de l'eau. Justement, on peut... Ah, on n'a rien là, en fait. D'accord, bon. Alors, on va partir à l'ancienne. Ça nous évitera des coups. Voilà. Ce sera déjà un peu mieux. Et lui, on va lui faire plaisir.
Un animal est malade, ça, ça pue. Ah, c'est un peu trop grand. Un arbre de Josué, c'est quoi ça? Non, c'est un arbre d'Amérique du Nord, d'accord. Donc ça, c'est mort. Donc à part l'acacia, ben, on peut pas faire grand chose de plus. Bon. Voilà, on va arrêter là pour les arbres. Voilà, ça, ça donne quelque chose de plus vivable. Ah, ces animaux, je te jure. Bon, lui, ça va, notre guépard, il est plutôt tranquille. Alors, je sais pas, il roupille, il fait le mort. Eh, Rachidi, là. Je sais qu'on peut renommer les animaux, tiens. Bon, lui, je sais quel nom je vais lui donner, attendez. Pour ceux qui étaient enfants de la génération 90. Voilà. On est tous vieux alors, Mitrandir. Hein. Allez, ça va, on est jeune dans, tant qu'on est jeune dans notre tête, Mitrandir. Hein. Ça, je vais le virer. Service éducatif. Les trucs d'éclairage, là, ça sert à rien. Instruire les visiteurs un peu. Et il a une bonne gueule comme ça, je trouve, sur le panneau. Alors, il y a une maladie, j'avais cru comprendre. Ah, on l'a pu. Donc là, on va se concentrer sur le guépard. Juste une question. L'orang-outan de Bornéo, là, qu'on a. C'est une femelle, elle a quel âge? Mawar. Elle a 17 ans. Si je trouvais un orang-outan, peut-être que ça pourrait passer alors. Je vais investir dans les points de conservation. Orang-outan de Bornéo. Ah, dommage. Bon, en plus, il était pas très top. Mais bon, imagine la nuit dans la neige. Salut Gauthier, bienvenue à toi, comment vas-tu? Ouais, ah, lui je l'ai. Oh oui, lui je l'avais zappé, tiens. Un ours qui s'évade, croyez-moi, c'est pas une bonne idée. Hein. Et ça fait de la mauvaise pub. Donc là c'est bon, là c'est remplacé. Au moins on évite qu'il se barre. Je sais qu'il s'était barré tout à l'heure dans la première tentative. Ça va, on essaie de faire ce zoo qui est assez galère. Mais c'est vrai que. T'as remarqué tout à l'heure. Je l'ai fini à la pisse, pardon, à l'arrache le zoo numéro 8. Là, je suis en train d'essayer de faire numéro 9, j'essaie de le comprendre un peu. C'est la merde. Alors déjà, ce que je vais faire, au niveau des bâtiments. Alors, les trucs de visiteurs. Oh, c'est beau, mais c'est chiant. Tu vas comprendre pourquoi. Donc là, on perdra un peu moins d'argent. On n'a qu'un point d'information dans le zoo. Peut-être qu'un deuxième, effectivement, c'est pas déconnant. Ça coûte cher, apparemment, aussi, là. Déjà, les audio guides, je vais les descendre à 1,50$. Je pense que c'est pas trop cher. Je vais synchroniser tous les coups. Et j'ouvre un deuxième point d'information. On en a un là, sur cette rive. Alors, pour moi, c'est pas déconnant d'en mettre un sur cette nouvelle rive. Si on trouve une place, bien sûr. Et ça, c'est pas gagné. Là, c'est un vivarium. Il faut
faudrait qu'on trouve une petite place ici et on sera peinard. Voilà, là on va couper l'accès. Bon, je sais c'est pas sexy dans l'idée, mais pourquoi pas. Et il nous faudra un dernier. Ah, on peut pas recruter d'autres vendeurs, c'est ça. Bon, déjà tous nos vendeurs, oh, sauf lui, ils sont ravis. Donc là je vais remonter un peu les petits salaires. Je vais le monter à 275$. Est-ce qu'il serait content? Ouais. Admettons, je vais le mettre à 250. Pas content. 255. Pas content. 260. Pas content. 270. Pas content. 275. Non. Oh, quoique. 275, ça, il a l'air d'aimer. Les agents d'entretien, on va remonter à 200. 230, allez. On va remonter un petit à petit les salaires. En fait, j'étais trop gourmand d'un coup, c'est pour ça. Gautimer la roubase, c'est plus facile au lieu. D'accord. Bon, là ce sera déjà un peu mieux. Donc 66%, mais je pense qu'avec les optimisations, ça va aider, je pense. Bon, on a récupéré ça. Maintenant, on va essayer de choper un deuxième orang-outan de Bornéo. Si on y arrive. On n'a rien ici. Non, on n'en a pas non plus. Bon, là, les lions, c'est un peu chaud. Elle est naze. Désolé, hein, mais tu es naze. Donc les bisons et les antilopes d'Amérique, c'est bon à savoir. Bon, c'est pas pour Senao, mais ça peut servir ensemble. D'accord. Biturong, ours malais et de Malaisie. C'est bien ça. Ce que j'aime bien dans Planet Zoo par rapport à Zoo Tycoon, c'est qu'on sait les espèces qui vont être compatibles entre elles et sans éviter de s'entretuer. Il a une belle tête, hein. C'est-à-dire qu'avant je joue en bas avec quoi. Ah, la panthère, je te dérange pas. Le guépard. Alors, en même temps, j'ai qu'un employé qui s'occupe des vols. J'aimerais en avoir un deuxième, mais je peux pas. Donc on est à 69%, c'est pas mal du tout. Bon. Bah, en attendant, tu sais quoi? On va tout de suite aller en placer notre orang-outan. Il y a un animal là-dedans. Ah oui, il y a notre femelle, le nounours. Bon, là, on va commencer à remonter un petit peu le perso, les autres salaires petit à petit. 230, 239, 100. Je peux pas les virer. J'ai 3 veto. Là, c'est les gros salaires. Hein. Je vais regarder la satisfaction. Admettons, je remonte à 1000$ là. Ça donnerait quoi?
les deux animaux semblent avoir été ravis. On va remettre 1050 ici. Donc là, c'est un mécano. Je vais remettre un autre à 1050, un veto. Et juste un soigneur, ça devrait être pas mal. Voilà. Déjà, je pense... Le départ est un peu... non. Non. Faut pas dire ça, voyons. Donc là, on va regagner un petit peu d'argent. Donc lui, est-ce qu'il a assez d'espace? Il a assez d'espace, effectivement. On va commencer à préparer son habitat. Nature, on va faire... Vas-y, je prends poste de soigneur. Bah allez, vu que j'ai monté ton salaire. Allez, je suis sympa. Tiens, Momon. Alors, Mitrandir, je t'avais mis en mécano la dernière fois, je me souviens. Je te laissais en mécano, tu as fait le boulot. Bon. Bon, allez, Lunepo, puisque t'aimes bien troller, hein. Voilà, je te mets vendeur. Comme ça, ce sera pas. Comme ça, t'arrêteras de te moquer de tes camarades. Et Gotti. Je sais pas si t'es bâti comme une armoire à glace, mais bon. On va voir. Voilà. Vous êtes tous les 5. Et puis au moins, si jamais on dit ouais, tu mets pas le nom des personnes qui te regardent, bah. Vous avez la preuve que c'est faux. Vous êtes tous les 5 là. Donc à vos tâches les gars. Du coup. J'en étais où? Ah oui, les plantes. Bah écoute Gaudi, il en faut. Hein. Et puis il y a 5 métiers différents à l'heure actuelle. Donc en veto, je préfère éviter bizarrement. Ne me demande pas rien de personnel, hein, mais. J'ai pas envie que tu confondes une sorte de. Ah oui. Alors, je vous ai monté vos salaires et vous montez un sadique, les gars. Bah, bravo. Bah, bravo. Alors, tropical et continent. Asie. Lui, il aime bien les grands arbres, hein, Laurent Houton. Ça me choque pas, personnellement. Bah, genre un capoquier, quoi. Un eucalyptus. J'ai eu l'habitude de le mettre trop près des trucs. Voilà. Un figuier étrangleur, pourquoi pas. Déjà, on a 3 grands arbres ici. Tant que le salaire est bon, bon. Ça dépend ce que tu appelles un bon salaire, mon cher Gauthier. Hein. Alors maintenant, il va nous falloir réchauffer un peu l'enclos. Je vais mettre un chauffage ici et un chauffage là. Et là, je vais me servir de ce que je vous parlais tout à l'heure, les gars. Je vais essayer de prendre ce truc là pour en faire un abri improvisé. En vrai, je trouve que pour moi, c'est pas choquant. Enfin, après, c'est une question de point de vue, bien sûr. Donc là, l'abri solide, c'est good. On va rajouter de la terre. Voilà. Il va nous falloir aussi... Alors, c'était quoi tout à l'heure? Je pense que je me rappelle. Une plateforme, je crois. Je vais mettre une plateforme de nourrissage de 3 mètres. Ça devrait être suffisant. Et une conduite d'eau, si je trouve. Où
ou plutôt un abreuvoir. Allez, hop. Ça, les habitants, tout le monde est content. Et lui aussi, bon, là, son bien-être, il est peu faible, mais je pense que avec un peu de chance, s'il chope un deuxième orang-outan de Bornéo mal, je pourrais me mettre bien, je pense. Alors, ah, on a une autre femelle. Et lui, c'est plutôt un beau bébé, hein, mais j'ai pas les points. Ah, nos tortues vont tenter de s'accoupler, ça c'est une très bonne chose. Qu'est-ce qui nous manquerait? Bah, ah oui, il nous manquerait les plateformes, effectivement. Attends, mais on est d'accord, je peux faire ça sur un arbre? Eh, viens, je tente ça sur un arbre. En vrai, c'est pas déconnant. Tu en dupliques un. J'y ai pas pensé tout à l'heure. Ah, il est mieux que les... Il est plus complet, je trouve, Gauthier. Hein. Au niveau de la customisation et tout... Ça me choque pas perso. Bon après il y a les DLC qui certains vont râler sur les DLC, ce que je peux comprendre, hein. Attention, hein, je ne dis pas que les DLC c'est forcément bien à chaque fois. Hop. Ça me rappelle la fois où on est allé aux eaux de l'île avec CG quoi, il y a des années. Je me souviens encore du spectacle avec les gorilles qui se battaient entre eux. On se marrait, c'était beau. Est-ce que là ça va le relier? Donc plus grand chose. Alors, est-ce qu'il le comptabilise? Non, il le comptabilise pas. Tiens donc. Le billet est bon marché. Bon, on va tout de suite le faire monter alors. On va le mettre à 12$. Voilà, le guépard, ça devient good. Ah, ça, c'est moche qu'il le comptabilise pas. À moins que... Attends. Si on peut faire passer le truc... Un mètre. Ah putain, ça c'est moche, mais bon. Bon, les arbres c'est con, ça aurait pu passer en vrai, je pense. Ah, au fait, les gars, pour ceux qui... Si jamais un jour vous voyez CG sur Planet Zoo qui fait le mode carrière, vous lui direz que... Et que je ne suis pas là. Vous lui direz que le zoo de ce scénario 9 de Planet Zoo, il est pire que le zoo, c'est pas ça. Il comprendra. Ouais, j'espère. Ou les zoos des tigres, les zoos des félins et tout ça. Ça, c'est à côté, c'est du pipi de chat. Hein. Ce zoo-là, c'est une horreur. Si je te mets là, t'es ravi ou pas? Le lit, on va le dégager tout de suite. Bon, on monte à 9 mètres carrés. Bon, les deux animaux installés, c'est fait. Bon. Ah non, la satisfaction des personnels, c'est good. Voilà. On va essayer de dupliquer un peu tout ce bordel. Je vais le dupliquer, comme ça on va gagner du temps, on va pas s'embêter.
Des fois, il faut être le plus efficace possible. Voilà. On est passé à 28 mètres carrés. Non, non. Ça, c'est pénible, par contre. Bon, tu sais quoi, je vais mettre en pause 2 secondes. Alors, au niveau de l'argent, est-ce qu'on arrive à dégager un bénéfice? Non, pour le moment, on n'y arrive pas. Ça c'est un peu dommage parce que ça pourrait t'aider, ça pourrait être utile, hein. Alors, on va redupliquer le truc. On va encore en dupliquer une ici. J'évite de les mettre trop près des murs parce que si jamais l'orang-outan a l'idée de s'envoler, je passerai pour un con, vous voyez. Voilà, bon, on a combien du coup? 56 mètres carrés, on doit encore aller chercher 56, 44, on doit aller chercher 64 mètres carrés. Ce qui va être coton, mais ça peut être faisable. Tu fais une duplication. Tu vas monter d'un cran. Voilà. Quatre-vingt-deux mètres carrés, on y est presque. On y est presque. Je sais que c'est pas très passionnant, hein, je peux comprendre, hein, mais j'aimerais réussir ça, quoi, bien. Tous les chemins mènent à Rome, certes, mais tous les eaux aussi, mais tous les eaux mènent à Mayeur, j'ai envie de dire. Voilà. Ah, ils n'ont plus que 12 mètres carrés. Allez, on y est presque, les gars. Voilà. Je pense que là, ça va être suffisant. C'est nickel. On y est parvenu. Bon là, elle devrait être un peu plus contente. On va réinitialiser les filtres. Par contre, les loups gris, tiens, je veux voir un truc. Alors lui, c'était un mâle, hein. C'était un mâle, ouais. Elle est moche. Elle a 7 ans, mais elle a une faible longévité. Bon, elle, on va l'embarquer là. Si on peut reproduire des loups, pourquoi pas. Je pense qu'on est bon. Je vais regarder un petit peu les rapports du zoo. Donc là, on va voir. Est-ce qu'on arrive à se refaire de l'argent? On va essayer, hein. Donc là, il nous faut 1000 dollars. Ah non, 1500. Je pense que c'est faisable, les 1500 dollars. Ou pas.
C'est pas le salaire qui me met comme ça quand même, c'est quoi? L'électricité, ça me met bien aussi pour dans le truc aussi. Eh bah ça commence à remonter petit à petit. On n'est qu'en avril, hein. Puis là j'ai l'impression que les deux achats d'animaux ça a réussi à stabiliser le nombre de visiteurs. Là on a quoi? C'est un licaon. Hein. Putain, qu'est-ce qu'on perd en trésorerie? C'est l'électricité qui nous met à ce point-là dans la merde. On va rechercher l'électricité alors. Si on peut réduire nos coûts. Ouais, il neige pas mal, hein, clairement. C'est bah, c'est le zoo qui veut ça. Si j'arrive à choper un orang-outan mal. Eh, 13 ans, lui, il est pas mauvais. Mais bon. Ah. Tentative d'accouplement. Je crois que ça a raté. Ah, quel joujou, mais qu'est-ce qu'il fout là? Ah. Les villageois, je sais pas ce qu'ils... Ils mongolisent, je sais pas. Vache, les dépenses qu'on a, c'est hallucinant, quoi. Et j'ai pas encore tout augmenté, hein. J'ai pas augmenté tous les salaires, hein. Je vous laisse imaginer. Ouais, je sais pas, c'est peut-être lié à la vitesse, j'en sais rien. Je suis sûr, il y a un truc que j'ai dû louper, hein. Alors, moi, on essaye. Ouais, villageois, désolé, c'est un réflexe du Age of Empires. Ah bah, notre orang-outan utilise des structures, ça c'est cool. Nouvelle recherche vétérinaire terminée. Voilà le guépard, on est plutôt pas mal, on est au niveau 3, je vais partir sur l'orang-outan maintenant. Et là avec le... Et aussi là je vais essayer de réduire les coûts grâce à la technologie sur l'électricité. Si on peut transformer ça en... Ouais bah tiens, on se refait un peu d'argent là, tu me diras. Avec l'électricité, ça réduit les coûts, on pourrait être peinard en vrai. Là, il ne manque un vendeur. Par contre, là, l'argent, j'ai l'impression. Ouh! J'ai l'impression qu'on tient quelque chose, les gars. On est qu'au mois de mars, mais là, les 1500, quoi qu'il arrive, c'est déjà acquis. Il y a combien d'animaux en tout? Bah, on va faire le bilan, Gauthier. Tiens, excellent titre. Oh, excellent tomate. Alors, déjà, on en a un, on en a deux, trois. Tu parles d'animaux en tout ou d'espèces différentes, Gauthier? Je préfère te demander la précision. Que si tu me demandes les deux, pour moi il y en a 17 en tout. Il y a 17 animaux, donc 17 animaux. On va regarder le nombre d'espèces. 1, 2, 3, 4. J'inclus aussi les animaux de vivarium. Hein. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai recommencé, je crois que je me suis planté. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Ah, les tortues des échelles sont gestantes, ça c'est très bien. 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12. On a 13 espèces différentes. Civilisation de fond en force pour agriculteur. C'est ça. Ah, il veut démissionner, pourquoi? Bon, on va faire un petit effort, allez. Ouais. J'ai un Nikaon, Gauthier, pour le moment. On va remonter à 1050 ici. Voilà. Donc on va se mettre à la limite. Bah tiens, on va aller voir Nikaon, Gauthier, vu que tu apprécies cet animal. Alors, où est-ce qu'il est? Alors, attends, on va y retourner. Il est là-bas. Il n'a pas l'air bien, mais... Ouais, on en a un. Le... Alors, oh, attends. On va zoomer sur sa caméra. Oui, les archers d'Axum, si je me trompe pas. Avec Axum, tu les as. Et c'est très fort, communauté, je me rappelle. Je me rappelle encore. Je me souviens que Sidjiron avait fait une campagne à deux coop, il jouait Axum et moi Ignar. On l'avait terminé en coop tous les ans, c'était bien éclaté. Je sais pas, moi, je pense qu'il y a une distinction. Alors, pour moi, le Nikaon, tu vois, il fait plus chien que la hyène, quoi. Enfin, c'est mon point de vue. Après, peut-être que je dis de la merde, mais... Alors, on a trois soigneurs qui veulent démissionner. Bon, on va remonter petit à petit le salaire. 1050, hein. Bon, on va perdre 150 sur déjà là sur eux. Voilà. Bah les gars, vous voulez lancer un débat? Bon, on va voir. On va lancer. Alors, c'est petite pause, hein, quelques instants, excusez-moi. Alors, Google, c'est bien un petit peu d'interaction, on va faire un petit peu d'éducation aussi. Alors, je suis en train de lire, je vais essayer de vous mettre l'écran devant vous, je sais pas si vous le verrez. Ouais, vous le voyez, c'est good. Donc, Yen, alors, non, Nikaon, famille. Donc c'est un canidé. Donc là on est d'accord. Mais est-ce que la hyène fait partie des canidés? Ça c'est la question. Ah, tu vois Momon? Le Nikaon et la hyène est une famille à part. Oui c'est ça, on dit chien hyène. Donc ça fait partie de la famille des hyénaïdés qui sont des carnivores terrestres. Donc ce sont deux familles différentes. Bon. Est-ce qu'ils sont rattachés? Difficile à dire. Donc hein, les hyènes sont très répandues en Afrique, d'Afrique, même jusqu'en Inde. Ah oui. Ah quand même. Donc, bon, on va dire que vous aviez raison tous les deux, les gars. Bon, même si Momon, c'était pas forcément de la même famille. Ouais. Après, comme les fennes, ah oui. Donc, c'est un débat. Donc là, on va y retourner. Alors, on a terminé la recherche vétérinaire pour l'orang-outan de Bornéo. Et attendez, je vois même plus mon chat, moi. Oula. Excusez-moi, je le remets sur l'autre écran. Alors, habitat. Les arroseurs automatiques. Un grattoir pour une hyène, je pense. Une hyène. Pardon. Un guépard, j'y arrivais. Voilà. Voilà, déjà, notre ami est à 82%. 97%, c'est très bien. Voilà. Bah, vous voyez. Ah,
Donc là, à mon avis, je pense que les gars, ils vont nous faire un second Lycaon, hein, à terme. Là, on manque un peu d'espace. Qu'est-ce que c'est que ce truc ici? Je vois que vous avez fait de la place pour des animaux que j'ai sauvés, pas très loin d'ici. Je ne sais pas pour vous, mais je suis toujours surpris par les types d'animaux qu'on trouve en se baladant dans la toundra sibérienne. Bon, est-ce qu'on peut recruter d'autres employés maintenant? T'es sérieux là? Bon. Donc là, on n'est pas loin. Donc là, il nous manquerait quoi? Ouf. Alors attendez. Les bénéfices, on n'est pas loin. Les 80% de satisfaction, on y est presque. Le nombre de délits, quoi. Les deux guépards, on en a déjà un. Il nous faudra un autre orang-outan. Il nous faudra une girafe et un lion. Bon. Déjà, on va rajouter. Comment ça, ils sont mécontents ceux-là. Je vais rajouter 1050 ici. Et les vétos, il y en a déjà un. Je vais rajouter un deuxième. On va les augmenter petit à petit les salaires. Attention. Là, je pense qu'on est pas mal. Mais comment ça se fait qu'on a autant de délits? C'est ça, je comprends pas. Nimolochon nous visite, ça je le connais bien. Bon, déjà on va sauvegarder. Et oui, oui, c'est bien. Et même que les Lycaon mangent des hyènes. De quoi? J'ai dit une connerie? Ou c'est votre débat entre hyènes et Lycaon? Là vous me faites peur les mecs, hein, des fois. Alors lui, il a besoin de plus d'herbes courtes. Voilà. Heureux, j'avais plus de batterie. Ah bah bravo, monsieur. Voilà, on vire la brouette. Bon, bonne nouvelle, on a réussi. Bon, alors à mon avis, Mitrandir, je vais te laisser arbitrer tout ça. Parce que bon, comment je vais faire mon coup? Pour essayer de me dédouaner de la situation. Ouais, le zoo, c'est un réseau. Alors, on va dire que Momon, c'est une hyène et que Gotti, c'est un Lycaon. Et on va laisser se débattre, s'entretuer entre eux. Et nous, on construit le zoo. Le mec sadique avec son chat. T'as 25 délits, quoi. Mais comment tu veux que... Si je pouvais recruter d'autres agents, je pourrais faire quelque chose. Mais là... Là, je vais l'envoyer en formation, j'ai pas le choix. Bon, moi j'ai joué dans le rôle Lyon. Ah non, il va. Ah non, et mon mode humilité là. Oh. Dans le tout, j'ai un crâne de paysan. Ben, je suis con, attends. Et vu que t'es notre nouvelle star, Lou. Mais oui, je suis con. Où est-ce qu'il est? Où est l'enclos? Est-ce qu'ils sont là? Allez. Parce que vu qu'il y a des loups dans le zoo, on est sympa. On va être sympa, hein. Tu seras pas un membre du personnel, mais bon, tu seras une de notre petite star. T'es le petit loup qui était là depuis le début. Je vais te mettre un tiré, pardon. Par contre, un tiré du 6 ou un tiré du 8. Voilà. Félicitations. Allez, on rend au César ce qui est à César. On rend au loup ce qui est au loup. Oh, des bébés tortues. Il y en a combien? 1, 2... Par contre, je crois que je vais faire un truc tout de suite que j'ai oublié, c'est la zone de travail à configurer. Je vais mettre en pause. Si on veut avoir des chances de s'en sortir.
pas optimisé, hein, je vous l'accorde, mais... Donc là, on a rien oublié. Ah si, là. Oh putain. Oh, Momon était vache. Oh, attends. Heureusement que c'est dommage que j'ai pas de mémoire modérateur dans le coin et dire il calmerait le jeu là, je pense. Oh Momon, je te croyais pas comme ça. Tu arnaques les visiteurs, non mais dites donc, oh monsieur Momon, on se calme hein, ou je baisse ta peau, votre paye hein, pour vos propos. Ah, si que j'ai joué à Tropico Momon, enfin j'ai joué il y a très longtemps, hein. C'était au 2 je crois. Mon grand-père, il me l'a. Je suis allé dans un magasin avec mon grand-père et je l'avais découvert. Bon, on a tout configuré. Maintenant, il est temps d'affecter tout le monde. Donc je pense que la différence avec mon départ de tout à l'heure, c'est le fait d'avoir déjà comment dire, fait en sorte que on n'a augmenté pas tous les salaires d'un coup, mais on les a augmentés, on a augmenté par progression. Donc pour le moment ça va. Parce que c'est ça qui m'avait mis tout à l'heure dans l'embarras. Non. Bon. On peut plus annuler la formation. Bon, tant pis, on aura un vendeur niveau 2, c'est bien. Et toi, Gauthier, je te passe aussi niveau 2 parce qu'on a besoin d'un agent de sécurité efficace. Si tu sais ce que c'est que l'efficacité, bien sûr. Voilà, donc tout le monde est affecté à cette grande zone de toit. Le zoo, c'est le monde à l'envers, oui. Ça, je connais, c'est mon deuxième prénom. Bon, on va voir, Gauthier. Hein. Par contre, là, il y a des trucs, je sais pas à quoi ça sert. Hein. Non, mais sérieux, les gars. Ça va nous faire de l'argent. On a regagné un peu d'espace, c'est good. Voilà, c'est bon. On a récupéré l'espace ici pour notre zèbre. On va lui mettre quoi? On va lui mettre une optimisation. Je pense que les zèbres, ils aiment bien ça. Hein. En fait, l'optimisation de là, c'est une optimisation passe-partout, on va dire. Voilà. Donc là, son bien-être est à 51. Qu'est-ce qui pourrait encore clocher? L'abri. Petit cadeau. Non. Faut dire que les vols sont nombreux. Ouais, c'est clair. Dites donc, monsieur Gauthier, je sais que vous pouvez être partout, mais vous pourriez faire un minimum d'effort, non? Alors, les délices, c'était où? Je dis pas de bêtises. Donc là, c'est qui était au boulot? Donc là, bientôt, ce que je vais faire, je vais remplacer tous les trucs électriques qu'on a par des trucs. Alors, c'est quoi? Par des éoliennes. Je pense que c'est pas choquant. Ça nous fera gagner des sous aussi. Hein. Alors, la saleté de l'habitat, ouais, bah, je sais. C'est la post-clope. Ah bah bravo. Et en plus, monsieur fume. Ah bah bravo. Ah bah bravo. Le mec. Donc là on a un guitare.
Excusez-moi, je fatigue. Donc là, notre guépard est ravi. On va essayer de lui trouver une femelle tout de suite. Alors, je vais faire espèce, je vais retirer le loup gris, on en a plus besoin. Et je vais mettre un autre guépard. Ah bah écoute, hein, Mitrandir, à part toi, et à la limite Momon, et notre star loup Nepo, notre loup, il y en a deux autres, je ne les citerai pas, mais c'est pas la joie. Hein. Alors, ouais, 8 000 $. Ah punaise. 828 points, 8 000 $. Donc lui, il a l'air plutôt correct. En vrai, lui, il est plutôt bon. Hein. Bon, il est petit, mais je vais l'embarquer. Un mâle et là il va me falloir une femelle. Elle 100% de fertilité, je l'embarque tout de suite. Comme ça on aura déjà deux des animaux sur quatre. C'est un investissement, j'en ai bien conscience, mais j'estime qu'il peut faire l'affaire. Voilà. Comme ça on aura déjà un autre, nos deux couples d'animaux et là on va envoyer notre orang-outan là-bas. Tu as un objectif finance pour les étoiles or et argent. Alors, pour l'argent, c'est sûr. Il nous faut au moins 10 000. Et or, ouais, il nous faut aussi 15 000. Donc, il faut faire monter ça petit à petit. Et j'anticipe un peu aussi, bah, par exemple, pour les objectifs fortes, faire naître un guépard et un orang-outan. Donc, avec un peu de chance. Bon, c'est bien, les os ils commencent à ressembler à quelque chose. Donc il va nous falloir aussi quoi? Un lion. Et une girafe réticulée. Oula. Oulala. Alors nos loups ils ont réussi à faire quelque chose ou pas encore? Ah non, ils ont pas encore réussi à copuler. Alors, recherche vétérinaire terminée pour l'orang-outan de Bornéo. Ok, on va se concentrer un peu sur eux parce que là, le but, c'est qu'il faut nous faire ferner un de chaque espèce. Bon, le guépard, on est tranquille. Enfin, je pense. Donc, orang-outan de Bornéo, on va mettre un ventilo ici. Enfin, un truc d'aération là. Non. Alors, on va lui mettre un ballon. Deux ballons. Une optimisation alimentaire, qu'est-ce qu'on a? Oh, bloc de fruits glacés, ça m'intéresse. Et un grand mouchoir à rouleau fixe, ok. Là, nos orang-outans sont montés à 78% de bonheur. Qu'est-ce qui leur va pas? Ah, ils n'ont plus assez de structure d'estat. Bah oui, ils sont deux. On va en redupliquer une. Voilà. Par contre, notre abri a l'air petit. Ah, on n'a plus assez d'herbe courte. On va augmenter la terre. Voilà. Bon, ça a l'air de plus servir ça. Alors ce que je vais faire quand même. Voilà, c'est une dépense, mais je pense qu'elle peut avoir le coup là. 90%, ça c'est très bien. Ah, satisfaction des employés, c'est bon. En vrai, les 10 000, on peut les atteindre, hein, je pense. Les 10 000, on peut les atteindre.
là on va réinitialiser tous les filtres. Un paquet cadeau, c'est quoi ça? Un bloc de glace. Ok. Une petite balle de glace. D'accord. Et... ballon, j'en ai vu un ou pas? Oui, j'en ai eu un. Une boîte en carton. Voilà. Tout le monde est content comme ça. Alors eux, pourquoi ils sont pas contents? Ah ben voilà. Normalement, t'as l'espace, mon grand. Ah, il te manque. Comment ça, bruit solide? Pardon. Monsieur, faudrait peut-être pas abuser, hein. Ah, oh, c'est tout con, ça. Il faut juste pivoter la bruit. Bon, au moins, ça passe. Donc là, on a déjà la moitié de l'objectif des animaux. Par contre, le truc des délits, c'est chaud, quoi. Bon, là, on va accélérer un peu. Ouh, ça a bien monté d'un coup. Bon, je pense que là, l'argent, on va l'avoir, hein. Et en fait, les gars, aussi, pour ceux qui regardaient VGNUS, je pense savoir pourquoi je bloque. J'ai une théorie. En fait, je pense que là, vu que j'ai galéré au troisième stade de cette mission, je pense ça veut dire qu'on s'approche de la fin, hier, pour ceux qui se rappellent. Et je pense qu'il faut que je revoie un truc dans ma base, parce que ça va pas. Il y a quelque chose qui clochait. Allez, on peut atteindre les 15 000. Si on les atteint, ce serait génial. Ouh, les 15 000 qu'on vient d'atteindre. Donc là, on sera peut-être tranquille pour l'objectif or. Oh là là, l'argent, regardez-moi ça, mes amis. Regardez-moi tout cet argent qui coule à flot. Donc c'était ça, la clé. Il fallait augmenter progressivement tous les trucs, tous les animaux, petit à petit, quoi. Alors, j'ai juste regardé un truc pour mes employés. Je vais essayer de monter un peu leur formation. Genre monter. Ah tiens, Albert et Momon déjà. Mitrandir, je vais te monter au niveau 2 parce que tu bosses bien. Bon, Gauthier, t'es déjà au niveau 2, je vais te laisser tel quel. Bon, et loup, je peux pas te monter plus. Hein. Désolé, t'es un loup, l'argent tu peux pas comprendre. Le mec. L'argent tu peux pas comprendre. Alors il va nous faire une girafe. Ah oui, j'avais dit qu'il nous fallait un autre Lycaon, je crois. Alors, c'est un mâle de 7 ans bientôt. Alors, Lycaon. Ah, allez, cette fois, c'est pour Gauthier. Donc, elle est grande, mais le problème, son unité est à chier. Et j'ai embarqué celle-là. On aura deux Lycaons, ça fera un couple. Il faut que je pense aussi au bien-être de mes animaux, là, maintenant. Voilà. Il va nous falloir... On va rester dans le thème de la... Déjà, on va voir le terrain, ce que ça donne. Ouh, effectivement, c'est pas la joie, le terrain. Voilà, de la terre. Hop. Oups. Voilà, le terrain, c'est très bien. Voilà. Donc là, notre couple de Lycaon, ça va nous aider. Excellent. Notre nouvelle Lycaon vient de rejoindre. Bon, l'espace est suffisant, enfin, j'espère. Tiens, d'ailleurs, en parlant... Ah, électricité. On va voir où sont les trucs électriques dans le zoo.
Donc on a trois transformateurs, un ici, un là. Alors admettons, je sais que je fais un truc. Voilà, ça va rien coûter. Le deuxième, il est là. Bon, je sais que c'est pas l'idée. Alors, attends. Là, on pourra pas le décomposer, malheureusement, mais on va dire que c'est les geeks. Hein. On n'est pas obligé de savoir qu'il n'y a rien en dessous. Donc là, il va nous falloir quoi maintenant? Un lion et une girafe. Bon, le lion, ouf, 14 000. Hein. Et la girafe. Ouais, ça va coûter cher tout ça. Pas d'électricité pour le service. Ah, il n'y a pas d'électricité, d'accord. Comment on va gruger? Ah bah, justement. Voilà, ça coûte rien, bon. Enfin, ça coûte juste l'achat, mais pas le... Vous m'avez compris, le... Comment ça s'appelle? Envisage de démissionner, pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Ah, ton salaire, bah, on va le monter, il n'y a pas de souci, il suffit de demander. Voilà, toi c'est bon, toi c'est bon, toi c'est bon. Ah, ça y est, les délices, ça va être bon aussi apparemment. Voilà, si ça veut bien arrêter. Un coup ça monte, un coup ça redescend. Pff. C'est pas évident. Hein. Putain, il faut qu'on arrive à faire naître un guépard et un orang-outan. Ça va être le plus chaud. Ah bah, le guépard a fait une... Ah, les guépards ont eu un petit, attends. Voyez où ce petit bout. Ah, les... Ah. Oh. Hein? Non, il y a... Eh, en parlant de guépard, on en a pas un, deux, trois. Trois guépards. Trois guépards, mesdames et messieurs. Non, attendez, attendez. C'est la même portée. Oh putain. Eh les gars, s'il y en a qui peut me clipper la portée de guépard, là, j'en ai eu quatre d'un coup, j'ai jamais vu ça. Normalement, c'est pas plus de deux. Attends, je vais regarder la zoopédie. 4. Ah non, j'ai rien dit. 1, 5. Un bébé guépard. Un guépard. Putain, 2 à 5, voire 8. Mon dieu. Eh mais moi je fais quoi de tout ça moi? Oh. Bon déjà l'objectif des guépards il est atteint. Par contre là on n'a plus assez d'espace. Bon pour moi on va laisser comme ça. Après au pire on les revendra. Alors. Bon on va continuer de monter. Hein. On va monter à 15$. On va faire un zoo qui tourne non-stop. Donc là, nos employés, il faudra qu'on monte la satisfaction à 90. Alors, qu'est-ce qui va pas? Bien-être faible, pourquoi? À la soif, pourtant il y a de l'eau là. Hein. Et je peux toujours pas recruter, je suppose. Non. Bon, pour le moment... On a encore deux salaires en dessous, mais bon, je vais augmenter à 1050 quand même, il le mérite.
Mon dieu, 4 guépards, j'aurais pas imaginé les gars, j'aurais dit 2 ou 3, 1 ou 2 à la limite, mais pas au-delà quoi. Alors, le journaliste est prêt, ouais, 29 délits. Alors, qu'est-ce qui va pas pour les visiteurs? Satisfaction moyenne. Ils ont soif, les visiteurs. Bah, un distributeur de café, ça me semble pas déconnant. Un distributeur là aussi. Si ça peut donner... Par là, il n'y a pas trop de services, hein, j'ai l'impression. C'est quoi qu'on a là? Ah, c'est la tortue, elle va venir. On a des petites tortues aussi. Ah, merci, Mitrandir, génial. Si tu peux te poster dans le salon des clips. Mais c'est quel genre de délit? Je pense que c'est des actes de vandalisme, je pense. Et je me demande si ça, c'est pas... Qu'est-ce qui nous manquerait aussi, là? Il nous manquerait la note d'éducation. On va commencer à se pencher sur l'éducation, les gars. Si on veut augmenter notre la renommée de notre zoo. Au pire, là, si jamais j'ai pas le temps de finir ce soir, les gars, je ferai le zoo en deux parties, hein. J'espère que vous m'en voudrez pas et que vous comprendrez. Justement. Ah ouais, il y a le tigre aussi, il faut que je m'en occupe un peu. Je l'ai un peu laissé tomber, le pauvre. Voilà. Lui, il va falloir agrandir son enclos, ça c'est obligatoire. Non, je déplace le problème. C'est pas ce que je veux faire. Voilà. J'ai juste regardé la carte de l'eau. Ouais, c'est bon. Bon, là, au niveau bénéfice, on est très bien. L'électricité, on a bien réduit nos charges. Si on regarde sur les années précédentes, les gars, on était à plus de 3000, là on est en pas plus de 500. Ce qui est plutôt correct. Et satisfaction des employés, ça a combien? On est monté à 85%, ce qui est plutôt très bien. Visiteurs satisfaits à 57%, ouais. Pas la joie, hein. Alors, bon, le truc là, ça passe à tous les coups. Voilà, la balle de glace, ça passe aussi. Le ballon, ça passe aussi. Ça passe aussi. Ah, ça c'est bon pour le grizzly, ce truc là. Alors attendez. Il est où notre grizzly là? Bon, les gars, c'est obligé. J'ai lu pour les disques que tu as droit des caméras. Apparemment, on va regarder, mon. Bon. Ah non, je peux pas l'adopter, merde. Alors attends, grizzly. Elle a quel âge? Elle a 13 ans, notre grizzly. Donc là, je vais retourner. On va confirmer, notre grizzly, elle a 13 ans. Lui, oh putain, c'est dommage. J'aurais adopté un autre grizzly sinon. Et caméra, c'est dans les services, logiquement sécurité. Euh,
Est-ce qu'on a des caméras dans le jeu? Je me souviens même plus, j'ai un gros doute, les gars. On a ce qu'il faut. On va en installer des caméras. Ça a coûté de l'argent, mais bon. Si on peut augmenter ça... Bon, c'est pas du flicage, hein, attention. C'est dans tout le zoo, Gotti. Alors j'essaie de trouver des solutions pour y arriver. Là, on a une grosse concentration de visiteurs. Alors par contre, j'ai un truc volant ici. C'est plutôt pas mal comme idée. Peut-être que ça va réduire, mais je suis même pas sûr. Hein. Saleté de l'habitat. On va appeler le soigneur. Monter à 16$, écoute, hein, qu'est-ce que je te dis? Alors, par contre, il faut essayer d'adopter une girafe. Ah, mais Gotti, pour le moment, t'as vu le nombre de délits qu'on a? On en a 29, hein. Laurent, autant de Bornéo, tiens, je l'ai zappé. Eh ben, on va avoir un bébé orang-outan de Bornéo. On va avoir un bébé orang-outan de Bornéo, messieurs, dames. Enfin, surtout messieurs, je veux dire. Les lions, ça va me coûter la blinde, je suis quasi sûr. Comment ça, qui c'est que j'ai barré? Ah oui, ah effectivement. J'avais oublié ce détail. Voilà. 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 C'est vrai que j'ai oublié que le tigre, il n'y avait pas encore la hauteur. Donc 4 mètres ici, ça devrait être suffisant. Enfin, j'espère. Voilà. J'espère que ça va suffire. Bah, il peut, hein. En fait, il y avait le crew d'eau là que je l'avais pas vu, en fait. Ah, Mawar a eu un orang-outan de Bornéo. Enfin, Mawar. Je vais changer son nom en Mawar. Hop. On a eu, ça y est, on a eu des petits. Alors, est-ce qu'ils... Oh, c'est un mâle, or, couleur or. Salut, petit père. Ah, il est pas adorable, ce bébé. Il y a un petit truc que je regarde, c'est qu'on voit pas d'interaction entre les parents et leurs petits, vous savez. Quand ils veulent jouer, j'ai pas trouvé ça. Bah, vous savez quoi, on va, pour l'occasion... Alors, le bien-être de l'animal. L'animal est stressé. Ah. C'est peut-être parce qu'il y a trop de vision. Il y a trop de trucs, donc je vais réduire à 2 sections. Désolé, ou alors c'est du versantin, on en a ou pas? Voilà, on va réduire à 2 sections, ça va peut-être calmer le stress de l'animal. Ah, je cherchais ma souris, je l'avais perdue en route. Sinon, à quel âge c'est adulte, ça? Ça m'a l'air d'être adulte vers 3-4 ans, je dirais. Alors, on va peut-être regarder sur lui. En vrai, là, je pense que le départ, on l'a.
toute façon, on va essayer de faire aussi des boutiques de souvenirs. Hein. Il faut générer le plus d'argent dans le zoo. Alors, au niveau de la soif, on est comment? Donc là, on est toujours à 53% malheureusement. 86% pour les employés. Ouais, on va commencer à se concentrer sur l'éducation. On va en avoir besoin. Des petits panneaux, ne pas nourrir. On va éviter de nourrir un ours, hein, histoire de perdre un bras. Dis ça, je dis rien. Voilà. Je veux pas que je monte à 17$ quand même. Il veut une formation, lui. Allez, let's go. Tiens, d'ailleurs, nos animaux, on est sur quelle recherche, là? On est au niveau 4 de leur retour de Bornéo, ça devrait être suffisant. On va s'arrêter, là. On va penser à notre tortue des Seychelles, tiens. Ouais, donc là, on va se focus sur l'éducation, c'est ça la clé, ici. Alors, et ben justement, là, Lou, c'était encore là, on a trouvé un petit spot intéressant. Entre deux vivariums, t'as un peu d'éducation. Tu vas mettre quoi? Crise de l'extinction des amphibiens et déforestation, ça combotte bien déjà. Alors, toi, on va dupliquer. Donc là, on n'a rien. Alors là, on a déjà crise de l'extinction des amphibiens. On va mettre quoi? Déforestation et... Hop. Donc là, logiquement, plus on aura de panneaux, mieux ce sera, hein. Ah, nos loups gris vont enfin avoir des petits. Ça, c'est génial. Alors, la déforestation, on l'a déjà. Là, on a un grizzly. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre en... Qui soit en lien. Bah, la déforestation, on l'a déjà, tu me diras. Fragmentation de la population avec la construction et tout ça. Et on va mettre réchauffement climatique, allez. Essayer de faire monter la note éducation dans ce zoo, c'est... Je pense qu'il y a moyen, quoi. Oh, un lion argent, on va l'embarquer tout de suite. L'animal ne bénéficie pas d'une température idéale. Comment ça se fait, ça? Rajouter un là. L'éducation, c'est pour des bonus satisfaction, Mitrandir. Pas forcément en lien avec le scénario, mais je me dis si ça peut permettre aussi de gagner plus d'argent par cet intermédiaire, si tu vois ce que je veux dire. En attirant les visiteurs, en les éduquant, peut-être qu'ils seront plus susceptibles de laisser de l'argent, genre des dons, ou les dépenser, tu vois ce que je veux dire. Par contre, là, les 29 délits. Mais
et par nos éducations. Salut Matt Peba. C'est ouais, aussi, effectivement. J'en ai pas encore mis. Faut que j'essaie d'en mettre selon les angles. Les haut-parleurs pédagogiques surtout. Surtout ceux-là. Les haut-parleurs d'ambiance, faut s'en méfier, je trouve qu'ils servent pas. Bon, on va en mettre un ici, dans les buissons. Alors on va en mettre un par enclos. Donc là, on va en mettre un là. On va encore en rajouter un là. Et je vais en rajouter. Bon, pas un dans l'enclos, je suis pas taré non plus. Un ici. Un là avec le quoi la famille Guépard. Ça va plus propagande à la PCC qu'éducation. Ah bah écoute, hein. On est pragmatique ou on ne l'est pas, Mitrandir. Et je te rappelle que tu l'as toi-même été un peu avec des nettors. Je dis ça, je dis rien. Et oui, je tacle, et alors. Ah oui, hein. Il a fini en mode barbecue, mais ça, on va rien dire. Hein. Oh merde, je sais plus où je l'ai foutu. Ah, il est là. Donc là, on est à côté du zèbre. Je vais doubler la portée. Dis donc, tu voles toi, je savais pas. On va doubler, on va mettre la portée à 20. Oh, le type de Sibérie, il n'y a pas d'électricité là, le truc. Ah bon. On va en rajouter un. Voilà. Est-ce que ça va suffire? Ouais, c'est bon. Nickel. Ah, nos loulous gris vont avoir des petits, ça c'est cool. Ah, on a un nouveau petit louveteau là. Oui, c'est un accident. Bien sûr, je te crois, Mitrandir. A faim, à soif. Il y a ce qu'il faut normalement là. Bon. Ouais. Alors lui. Lui, ça serait pour les orang-outans de Bornéo. Il n'y a pas d'électricité à lui. Ah merde. Là, ce serait pour le grizzly. Non plus, pas d'électricité, d'accord. Lui. Ce serait pour le guépard. Logiquement, là, il y a l'électricité. Ok. Et le numéro 8, ce serait pour les loups. Et voilà. Bon. Il n'y a pas que ça, le Gotti, pour moi. Enfin, pour moi, de ce que j'ai compris du lore avec Bore de Nitor, l'usage du palantir, ça n'a pas aidé non plus, hein, si tu vois ce que je veux dire. Comment on lutte contre ces foutus délits? C'est ça, j'arrive pas à lutter contre les délits à l'heure actuelle, c'est ça qui m'ennuie. Ouais, pour un homme fort, hein. On dit que c'était un homme fort, mais bon. Il était pas si fort que ça, hein, sur le papier, je dis bien.
Quel bien-être. Ah ouais, les orang-outans, là, ça va être piquant. Théoden, franchement, il a encaissé Saruman, ce qui est pas rien. Après, ok, on peut pas comparer Sauron et Saruman d'un certain point de vue, mais ils ont quand même fait du truc, quoi. Alors, on va descendre à combien? Voilà, on va le mettre là, 7. Bon, cette fois, ça y est, l'éducation, ça commence à arriver. Bon, on se fait toujours de l'argent, ça, c'est le point positif. Comment ça, on n'a pas d'électricité, c'est une blague? Bah, tu sais quoi? Donc, pourvu qu'il n'y ait pas jusque-là, on va mettre des allées de visiteurs. Voilà. Je pense que là, ça ira un peu mieux. Oh, il a une fin épique, clairement, le roi sorcier, le Denethor. Hein. Face au roi sorcier d'Ormar, personne ne pouvait rêver meilleure fin. Rêver. Avoir une meilleure fin que lui, je trouve. Hein. Que Saruman n'a pas allé sur un truc de son armure et hors tank, c'est pas mal non plus, tu me diras. Grâce à Grima, on va dire. Donc là, on va faire des locaux du personnel avec Mitrandir, justement. Ici, on en est où? Les tortues, c'est en cours. Ça y est, le bien-être est remonté ici à plus de 90%, c'est très bien. Bon, on va monter à 20$, il n'y a pas de souci, mais faut. Alors, est-ce qu'on a un haut-parleur ici? Ouais. Les Lycaons. Voilà, hop. Ah bah tiens, en parlant de Lycaons, ils sont en train de s'amuser entre eux. Et là, t'as toujours ce bug. Là, je sais pas ce qu'ils ont. Bon. Ils se promènent, ils font du tourisme. Ah bah, je serais curieux de savoir comment, Gotiba. Si je voulais pas savoir. Bah, écoute, au pire, si ça te dérange pas. S'il te plaît, Gauthier, c'est que tu me le dises en MP via Twitch ou Discord, si t'es sur Discord à l'occasion. J'ai pas envie de spoiler, que les gens soient spoilés parce qu'ils veulent pas, ce que je respecte. On a déjà un lion. Il ne manquerait plus qu'une girafe. Ah, attends. Je pense savoir, Gauthier, mais je me souviens quand j'avais joué au jeu d'ici dans les anneaux, il y avait une fin en lien avec la comté. Alors je me demande si c'est pas ça. Est-ce que c'est par rapport aussi... Alors, je n'irai pas plus loin. Est-ce que c'est un lien aussi avec le retour de Frodon après la destruction de l'anneau unique ou pas? Il parle du Seigneur des Anneaux, plutôt de manière générale. J'ai un fréticulé. Là, on va adopter la girafe.
Je vais le foutre avec le zèbre, allez hop, putain. Au moins ça c'est fait. On avait un autre enclos de vide apparemment, c'était pas lui, non. Ça c'est le truc des loups. Service en panne, on va l'appeler. Un mécano. Il y a encore un enclos vide, mais je sais plus où il est. D'accord, donc tu confirmes enfin, je pense savoir, mais là maintenant quand tu me dis ça, je pense me rappeler à peu près, ouais. Bon, par contre, il va nous faire un autre enclos, ça c'est sûr. Bah justement. Voilà. Là, c'est good. Comme ça, là, ici. Je place une porte d'habitat. Là, je vais virer quelques barrières parce que ça sert à rien. Oh merde! Oh, j'ai perdu mon orang-outan de base. Comment ça se fait qu'elle est déshydratée? C'est moche ça. C'est pas à cause de toutes les plateformes quand même. Repose en paix, Mawar. Repose en paix. Voilà. Pourtant, il y avait de l'eau là. Je suis désolé, hein. Enfin, bref. Alors, le bien-être est faible ici aussi, pourquoi? Mais il va nous falloir plus d'espace encore. Ok, il va nous falloir plus d'espace, d'accord. Et il va nous falloir aussi adopter notre lion. Alors, est-ce qu'on pourra en avoir un autre de lion? Si on a une lionne, ça serait génial. Il faudrait 1169. Voilà. Bon, déjà, on va envoyer notre lion. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. On va le mettre là. Je vais récupérer l'un de ces blocos ici, là. Faire pareil que pour tout à l'heure. Ils sont bientôt adultes. Ils sont adultes, je pense, à l'âge de 2 ans, les guépards. Et là, je vais les revendre, ça va me maximiser les points. Enfin, pas les revendre, l'argent, dans le sens monétaire, mais dans le sens point de conservation, là. Allez, là. Voilà. Ne me dis pas qu'il faut refaire renaître un autre animal, hein. Mais c'est bon. Ah, un lycan va mourir de vieillesse. Bon, fallait s'y attendre.
Bon, les animaux requis, c'est good. On va finir la visite. Alors, Mufasa, habitat. On va réinitialiser espèce, lion d'Afrique de l'Ouest. Voilà, ce sera un départ. Au niveau des jouets, bah on a ce qu'il faut déjà. On va faire quoi? Un grattoir. Wow. C'est good. C'est good, c'est good, c'est good. Voilà. Service. On va mettre un panneau solaire. Voilà. Service visiteur. On va mettre une boîte à dons ici, là. On va mettre un habitat là. On va rajouter également un haut-parleur pédagogique. On a vu l'efficacité que ça pouvait avoir. Voilà. On va attendre que la visite se termine. J'espère que ça va suffire. Alors, habitat, on va chauffer un peu la zone. Voilà. Là, les Daily Momon, apparemment, on est sous les 8. On est à 4. Alors, service sans panne, on va appeler un mécano. On va appeler un mécano. Je vais suspendre les recherches, là. J'ai besoin de tous mes mécanos sur le pont. Quoique, attends, j'ai peut-être une autre idée. En fait, je sais pourquoi. Ils sont pas dans la zone de travail. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à les atteindre. Bingo, regardez. Voilà, je pense que ça doit être suffisant. J'espère. Je vais accélérer un petit peu le temps pour qu'on arrive au truc de l'or. Attends. Oui. Les employés m'ont affirmé qu'ils étaient très bien avec vous. Tant mieux. Parce que je n'ose pas imaginer ce qu'ils vous feraient dans le cas contraire. À mon avis, ils vous achèteraient une carte d'anniversaire, mais ils feraient exprès de mal orthographier votre nom. Et félicitations pour tous les profits que vous avez faits. Mais ça pourrait être mieux. Alors au travail. Voilà. Ça y est, une guépard va être adulte, donc là on va se lâcher sur les points de conservation. Donc 12 ans on va éviter, jeune. Donc là on va regarder ce qui nous resterait à faire en objectif. Les 15 000 on les a, ça c'est très bien. La satisfaction des employés moyennes, on y est presque. Là il faut qu'on augmente juste le truc des animaux. Il nous faut un animal supplémentaire. D'accord Gauthier, je le regarderai après le live. Je pense qu'il y a moyen de boucler ce soir en vrai. Et on nous paye, on peut le faire, je pense. Bah, je peux le faire, il ne manque plus qu'un animal aquatique. Alors, toi, déjà, je vais te relâcher. 164 points, je prends. Runako. Bah, oh, guépard d'argent. 400 points, je prends. Sibongil. Bah, désolé, mais attends. Combien? 417 points, je prends. Et la Keisha, désolé, désolé ma belle, mais
On a besoin de points là. Bon, au moins on a déjà certains de nos objectifs de fait, ça c'est une très bonne nouvelle. Alors pourquoi tu veux pas que je te relâche dans la nature? Bon, on va attendre un petit peu alors. Alors, bien-être de l'animal faible ou ça? Ah, c'est là. En fait, il faudrait que je décale la zone. Bah, tu sais quoi, je sais ce que je vais faire. Je vais tout déplacer. Arrête avec la modification de groupe, c'est chiant. Il faudrait que j'arrive à agrandir l'enclos. Par contre, là, le... la satisfaction moyenne des visiteurs, on va l'avoir aussi bientôt. Donc ça, c'est good. Ça fait encore un objectif en moins. Par contre, là, il faut que je déplace si je veux avoir mes chances. Il faut que je déplace. Et je vais mettre ça où aussi? Là, ça coupe jusqu'au comment l'électricité? Pas assez apparemment. Alors, je vais juste mettre en pause. Ils vont pas aimer les visiteurs, ça je m'y attends. J'essaie de trouver une zone où je pourrais les caler ça sans qu'il y ait trop d'ennui. De toute façon, à la limite, je pourrais m'en foutre d'un certain point de vue. Car les visiteurs. Bah justement, je sais où je vais les caser tout ça. Oh, arrête avec ton truc de modification de groupe, c'est chiant. Mais tu te moques de moi là, pourquoi tu veux pas te placer là? Tu sais ce qu'on va faire? On va tout faire migrer. Enfin, si ça veut, bien sûr. Si le jeu me dit pas merde. Oh, attends. Allez. Il veut pas me la déplacer, comment ça se fait ça? Là il veut par contre. Bon. Pas de panique. On va réfléchir. Alors ça on va le déconstruire, ça aussi. Ça aussi, ça aussi. De toute façon, la station de traitement des eaux, il va falloir la laisser dans le coin. On peut pas la laisser trop loin non plus. Donc voilà, ça, c'est pareil. Au niveau des allées, on va tout supprimer. Au niveau des allées du personnel, avec ça, on va agrandir l'enclos. Voilà. Là, il n'y a plus rien, logiquement. Maintenant, on va utiliser ça, on va l'agrandir. Alors, on va choisir cette portion-là. Ok. Je
pense pas qu'un zèbre puisse escalader, mais bon, méfions-nous quand même. Quoique, attends. Voilà, c'est good. Truc qui obstrue là, je sais pas ce que c'est. Voilà, logiquement là ça devrait être bon. Voilà, donc là on a clôturé, on a terminé la portion. Alors est-ce que ça va suffire pour la girafe et le zèbre? C'est pas encore assez grand, mais sérieux, tu vas à un enclos de 10 km ou quoi? Ou alors tu sais quoi? Je fais un truc, alors normalement, là on a assez d'animaux du biome... Voilà, tac, ça c'est bon. Le zèbre. Il nous manque juste un animal du biome aquatique. Alors, s'il nous faut un animal aquatique, qu'est-ce qu'on a? Aquatique. Qu'est-ce qu'on a comme animaux aquatiques? Bah des crocodiles. Tu me diras, c'est pas déconnant les crocos, hein. Je vais virer ça du coup. On va réaménager l'enclos. L'auge, on va la dégager. La seule réaménagement qu'il nous faudrait. Bah là, je crois qu'il n'y en a pas dans le scénario Mad Pay du coup. J'en ai pas vu. Alors attends, je vais vérifier. Il y a des pans à la limite. Et du coup, là, notre ami le tigre Vladimir, là, comment il va? Comment tu vas, bro? T'as toujours pas assez d'espace, mon Dieu. Oups. Là, il nous faudrait combien de pourcents? Ils nous ont demandé 85, c'est ça? 85. On a 75. L'animal aquatique, on va l'avoir, on va tout de suite l'améliorer dès qu'il arrive. Déjà, le terrain, je vais le tout de suite assécher l'eau. Je vais creuser un peu plus alors, avec plus d'intensité. Donc ça y est, normalement, on a tout l'objectif... on a l'objectif de tous les animaux. Donc là c'est good. Allez, les deux crocos là, ils sont chauds, ils sont chauds, ils sont beaux. Si je mets de l'eau là, est-ce qu'ils ont assez? Voilà, je pense que c'est bon. Ouais, l'eau c'est nickel. Maintenant, qu'est-ce qui nous manquerait? Bah le terrain. Bon, la neige là, hop, tac. Plus de roches, ok. Ah, il y a maintenant il y a la donnée de profondeur d'eau. Ah, d'accord. Un peu plus de terre, fissa. Voilà, je pense que c'est pas mal. D'accord, d'accord. Mmh.
faut de la bouffe aussi. Voilà. Bien-être faible, comment ça se fait? Bah, et l'eau, là, ça sert à quoi, monsieur? T'inquiète, c'est pas grave, t'es pas obligé de te follow, hein, tu te follow si tu as envie. Ah, l'anneau loup gris décédé. C'est notre femelle, on va tout de suite. Ouais, y a beaucoup de décès, malheureusement, fallait s'y attendre. Maintenant, faut monter tout ça à 85%, ça va être chaud, les gars. Voilà. Voilà. On va essayer de dégager toute la neige possible. Qu'est-ce qui nous manque? Alors, lui, ce qui m'étonne, c'est qu'il peut pas y aller, mais elle, lui. Voilà. Et viens pas me dire que ça le fait pas. Hein. Ah, voilà. Le croco, il est ravi. La profondeur de l'eau, c'est la majorité. Ouais, c'est ça, bon. Mais je trouve que c'est réaliste, regarde. Après, bon, vu le gabarit par rapport à la femelle, je peux comprendre effectivement, tu vois. Oh punaise, il y a ces écarts de gabarit, vous avez vu. Mais je trouve que c'est réaliste, ce genre de truc. Voilà. Hop. Crocodile marin. Ah, il est costaud, hein. On va le mettre à fond. Et il nous faut d'autres salles du personnel. Ah, ils font pas partie de la zone, c'est ça. Il nous manque plus grand-chose, les gars. Il nous manque plus grand-chose. Au niveau des recherches mécaniques, qu'est-ce qu'on a? Locaux du personnel, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous faut la grande cabane du soigneur. D'accord. Bon, en attendant, on va se concentrer sur le bien-être des animaux. C'est ça la priorité. Il nous manque 20%. 20%. L'Altéa, on va l'améliorer. Voilà. Les optimisations. Ça va être très important aussi. Un bloc grattoir. Non, il s'en fiche. Le lion d'Afrique, on lui a mis un grattoir, je sais plus. Il en a un, c'est good. Un crocodile marin, sérieux, ça a besoin d'un grattoir? Ouais, bah j'aurais pas deviné comme ça. Il a une optimisation alimentaire. C'est bien. Bon, évidemment, il lui faut de la bouffe. Tiens, j'imagine ce que ça doit bouffer un crocodile. Voilà. Ah, ah merde, notre loup est décédé, le jeune loup. J'essaie d'en réadopter des loups parce qu'on en a besoin. Alors ça, on va le dégager. Ouais, la fin, c'est un peu galère. J'en ai bien conscience, mais je pense qu'il y a... On peut y arriver, les gars. On va y arriver. On va appeler le veto. Ouh, les guépards. Quoi?
On va appeler un vétérinaire. Et c'est mauvais un guépin. Hein. Ah. Mais je comprends pas son bien-être. C'est peut-être le type de clôture. Voilà. Alors ce que je vais faire déjà. Je vais mettre du verre. Non, mince. Verre ici. Là, je vais rajouter du verre aussi. Ça devrait être suffisant comme ça. Pour moi, il a tout l'espace qu'il veut, là, le coco. Il y a encore, c'est la neige qui est chiante. Voilà. Putain, 61% il nous reste. 61, bon, ça, on a 25% en fait. C'est chaud quoi. Là, notre veto il est en route. De toute façon, lui, on va le relâcher aussi. Hein. On va monter à 25$. On va voir ce qu'ils disent. Voilà. On va s'intéresser. Alors, les orang-outans ici. Et pourquoi il a soif? Voilà, les orang-outans, c'est good. Le grizzly là. Il a 67%. Il a pas assez de plantes. Amérique du Nord. Donc, alors, biome, taïga. On va lui mettre Amérique du Nord. Il va être content. J'espère. En vrai, lui, la neige, il s'en fiche, on dirait. Allez, on y est presque. Allez. Voilà, là c'est bien. Le bien-être vient de monter d'un coup. Par contre, là, ça manque d'espace. On va étirer la clôture. Voilà. Je pense que ça devrait être intéressant comme ça. 67%, il n'a pas d'optimisation, notre ami l'ours. Grizzly, ça c'est bien. Citrouille. Ah non, lui il s'en fout de la citrouille. Ok. On va réinitialiser le filtre. Bon, ça il a déjà un truc. Par contre, qu'est-ce qu'il y a avec quoi il peut s'amuser notre ami Winnie? Le grattoir pour le grizzly, ça passerait ou pas? Non. La boîte en carton. Ça. Non, ça, ils s'en fichent. Bloc de glace, peut-être. Voilà, ça semble être un peu mieux. Notre ours est ravi. Allez, il nous reste plus que 8%, on y est presque. Voilà le chemin. Ah, on l'avait pas relié en fait, c'est pour ça, d'accord. Peut-être que là ça ira mieux, enfin j'espère. Le tigre Vladimir, où est-ce que t'es Vladimir?
Ah, c'est toujours le terrain, toi, pour ton problème. Bon, ok. Voilà. Est-ce que ça te va maintenant? Bon, le terrain, il a l'air ok. On va lui acheter les trucs qu'il faut aussi. Donc, le grattoir pour un tigre de Sibérie, ça passerait? Oui. Déjà, ça. Un ballon. Alors, un ballon, je sais pas. On va essayer. Non, il voudra pas. Un bloc de glace. Il voudra pas non plus. Il voudra ça non plus. Type de Sibérie, ça le prend ou pas? Voilà. La citrouille. Voilà, excellent. Et on est retombé encore à 69%. Alors, le lion, il a... Ah bah oui, on lui a pas mis ce qu'il fallait, d'accord. Voilà, on va appeler un soignant, on va lui donner à manger. 69%, on peut... Ils n'ont plus grand chose, hein. On y arrive petit à petit. Et lui, je sais pas pourquoi, il est pas content. Hein. L'animal a trop froid, pardon. Voilà. C'est l'eau. Mais oui, je suis con. Il me faut un réduit. Comment ça s'appelle? Ça fait partie du pack aquatique. Ah non, c'est une mangeoire sous-marine, ça sert à rien ce truc. C'est pas ça qu'il me faut, c'est un... C'est venu avec le DLC aquatique, c'était quoi? J'essaie de me rappeler. Régulateur température d'eau, c'est ça. Voilà. Et là, logiquement... Je vais appeler un soigneur ici. Je vais aussi appeler un mécano. En fait, c'est l'eau. Logiquement. Allez. On y est presque, les gars. On y est presque. Il ne manque plus que 7%. On va y arriver. Maintenant, il va nous falloir le guépard là-bas. Alors, non. Toi, t'es vieux. Voilà, on va récupérer encore des points. On va sauvegarder au cas où, en cas de crash. Quel animal on a oublié encore? L'aile grizzly, non. Le lycaon, il a combien lui? 68%. Mais c'est lié à quoi? Les optimisations. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est good aussi. Allez, il ne manque plus que 3%. Ça se rapproche. On va essayer d'adopter une louve. Si on en trouve une. Une louve pas trop âgée. Elle fera l'affaire. Dès qu'il sera adulte, on lui met tac. Son bonheur est à combien? Il est 81. Est-ce qu'on pourrait pas encore optimisation alimentaire?
Voilà. Ah, ils n'ont plus qu'un pour cent. 1% les mecs. Les tortues. Elles sont où? Tortue. Pas tortue ninja. Eh merde, j'ai dit, je l'ai fait. Tortue ninja. Tortue. Elles sont là. Elles ont aucune optimisation, c'est pour ça. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous aider? Alors, je vais réinitialiser les filtres. C'est des tortues, bah ça, déjà. Un petit truc là. Voilà. Oh. Alors là, je crois qu'on a terminé. Si tout va bien, on n'a plus qu'à tenir. Allez, il faut tenir les mecs. Il faut tenir, coûte que coûte. C'est la bataille du gouffre de M, mes amis. Là, je pourrais pas faire mieux. Hein. Allez, faites pas chier, avance. Voilà nos crocos, là, ils sont aux anges. Hein. Ah oui, il y a le truc de la salle du personnel là, c'est vrai. Je vais appeler un mécano tout de suite. Allez, dites-moi que c'est bon. Par contre, le bien-être des animaux là, monsieur, c'est un peu abusé, hein. Non, c'est dégueulasse là le jeu. Putain, je l'ai eu en plus. Et en plus là, il va commencer à neiger. Oh, je suis dégoûté là. Quoique. Je sais qu'il y avait eu un bug avec ça, cette mission là, je sais plus pourquoi. Alors l'animal à la fin, on va appeler le soigneur. Voilà, là on est good. Le jeu il va pas me carotte ça, hein. C'est bon, je les ai les 85%. Alors, il faut attendre 9 mois encore. J'ai appelé un soigneur. Non, tu changes rien. Par contre, là, qu'est-ce que j'allais dire? C'est quoi? On a une grizzly femelle, on va essayer de trouver un grizzly mâle. Pas mal. Allez Jackson, tu viens là. Bon. On va essayer de trouver aussi un lion femelle. Tiens, une femelle, une lionne quoi. Pourquoi je dis un lion femelle, lionne? Voilà.
On va accélérer le jeu, j'ai plus rien à faire. Je suis désolé, hein, peut-être que ça va vous barber, mais je me sens un peu floué là. Là, les 80%, les 85%, je les avais, hein, pendant la visite du journaliste. Alors, est-ce que ça va passer 6 mois de journalisme? Ouf. Oh merde, on a perdu l'un de nos guépards. Ah. Alors, les guépards, on va tout réinitialiser. Ah, on n'en aura plus de guépards, merde. Après, ils ont de l'âge, les animaux, je comprends. Hein. Alors, pourquoi 82? Comment ça se fait que ça baisse, là? Orang-outan de Bornéo, bien être faible. Bah, va bouffer, toi, au lieu de m'emmerder. Je suis sûr il manque plus grand chose. Hein. Tu sais quoi, on va mettre des promotions là pour les formations parce que ça va pas le faire sinon. On va promouvoir tous les soigneurs, tous les mécanos aussi et les vétos le méritent aussi. Hein. Pas de boulot qu'ils ont abattu. Je peux rien leur reprocher. Allez. Et je peux pas avoir d'autres. Punaise. Je suis obligé de faire avec ça en personnel, hein. C'est chaud. Eh, maintenant l'autre orang-outan de Bornéo est mort. Putain. J'ai une de ces chances. Ah génial, lui il est adulte. Locaux du personnel, ça c'est très bien. J'ai tout de suite placé mon loup là-dedans. Alors toi, comment ça t'empêche les autres de se reproduire? Non mais dis donc. Voilà. Il nous reste quoi là? Ah, on a plus de licaon. Ah. Donc on a plus de 85%. Oh non, on a 80%, mais cette blague. Cette blague, le jeu. Non, mais ça, c'est horrible. Hein. Putain. Et là, qu'est-ce qui va pas? Oh, animal mort, vas-y. Hop. Là, les licaons, on va tout de suite les remettre. Si j'en trouve. Alors, licaons. Ok, on les remet tout de suite. Bon, ça c'est la bonne nouvelle, on a remis les licaons. Allez, let's go, vite. Allez. On va mettre en x3. Ah, l'un de nos crocos marins est gestant, ça c'est cool. Un soigneur. Alors, locaux du personnel. Allez. Voilà.
Ouais, c'est un hold-up, comme tu dis. Putain, je redescends 75, mais d'où? Mais d'où je descends 75, quoi? C'est la température de l'eau, c'est ça? Voilà. Manifeste repéré, aïe. Oh là 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 là. Bon, échange d'animaux, j'ai trouvé une lionne ici parce que ça devient long. Lyon, Lyon, Lyon d'Afrique de l'Ouest. Ah, il y en a une. Ok, bon. Allez, elle est naze, elle est naze. Allez, il revient pas l'année prochaine. Génial. Bon, on va essayer de peaufiner notre truc. Il y avait, je le tenais ce scénario, mais là le truc, bah non, il m'a dit merde. Bah là, ça va redescendre puisque bah 80% quoi. J'en mettrai un là. On va essayer de réchauffer un peu le coin. Là, les loups s'en foutent. Bien-être faible. Comment ça se fait, ça? Tu sais quoi? La mangeoire, je vais l'agrandir tout de suite. Allez, on y va. Voilà, de l'eau, c'est bien. Et là, la bouffe, là. Non, mais il se fout de moi, là. Allez, putain. 84, on va. On, qu'est-ce qui nous manque en fait? C'est ça, je comprends pas. Alors. Assez, on va augmenter un peu. Voilà, excellent. Je sais pas si ça compte aussi pour les animaux de. De vivarium, mais je vais quand même le faire. Voilà. Bon, au moins, ils sont à 4, ils sont à fond là. C'est, je pourrais pas faire mieux. 79, mais pourquoi? Ah, ça manque d'abri. D'accord, bah fallait le dire. Alors, abri. Voilà. C'est horrible quand le jeu, il s'acharne, quoi. Ça, il arrive dans 2 mois, hein. Dans 2 mois. Dans 1 mois. Oula. Dites-moi que c'est bon là. 83.
le déplacer ici. On me dit pas que j'ai plus de rang autant. Si, il m'en reste un, mais il est où ? Bon, ça va, il est là. Lui, c'est good. Les grizzlies, là, vous êtes à combien ? Ah, il n'y a pas assez de terrain, évidemment, parce qu'ils ont eu un petit, c'est pour ça que je... Voilà. Est-ce que là, ça devrait être suffisant ? Ça passe. Les optimisations, qu'est-ce qui vous manquerait, les gars ? Ah, mais oui, les marqueurs d'herbe. Voilà, on en a deux de plus. Notre guépard va encore mourir. Bon, super. Ok, bon, on a perdu tous nos guépards, malheureusement. Je suis pas sûr qu'on puisse en réavoir. Guépard. Là, je peux plus avoir de guépard, ça c'est dur. Bon, il n'y a plus qu'à prier que ça passe maintenant. Sans les guépards, sinon il faudra refaire un autre animal à la place. Ouais, là c'est dur quand même. Hein. Le coup des guépards qui clament. Qu'est-ce que je pourrais rajouter comme animal ? Tu sais quoi, j'ai une idée. Je vais foutre la girafe à la place des guépards. J'y ai pas pensé. J'ai bien fait de la laisser en réserve d'un certain point de vue. Allez, où est le guépard, Non. Oui. Bah, tu sais quoi, déjà tout ça, je vais bazarder. Alors, habitat. Espèce, on va réinitialiser, on va passer en girafe réticulée. On va lui mettre ça déjà, ça c'est bon, on les a. Allez, let's go. On va tenter le coup de la guépard. Oh, quoique... Allez, pourvu que le guépard il soit importé là-dedans. Par contre, là, j'ai fait le con. Ouais, c'est, je dois être à 80% moment, c'est ça le but. Allez. Ah là là, putain, le jeu est vraiment bâtard avec les 85%. Désolé du terme, mais... Pour moi, je devrais les avoir. Hein. Mais va manger. Mais eux aussi, ils sont cons, les grizzlies, sérieux. Ils ont faim, mais... Les soigneurs qui veulent pas les nourrir. J'ai essayé de shooter l'arbre ailleurs. Je perds à chaque fois des pourcentages. Je sais pas d'où ça vient, mais il sort d'où ces manifestants ? Et pourquoi il va pas boire ?
Il y a de l'eau là. Non mais le jeu là, des fois il te fait des incohérences, je sais pas d'où ça vient. Mais allez boire, grosse bande de cons là. Allez. Je suis en train de perdre à cause des ours là. Pénètre faible. Le soigneur il fout quoi là, sérieux? Bah quand même. Mais... Alors pourquoi il... Qu'est-ce qui va pas avec eux? Oh mais ouais ouais c'est ça, c'est les ours et je comprends pas pourquoi. Pour moi il va pas avoir de problème. En fait c'est eux qui me mettent dans la merde quoi, les ours. Ah je vais essayer, ouais alors attends. Voilà. Si c'est à cause d'un arbre que je me suis fait entuber, là je hurle. C'est la mangeoire. Que là, logiquement, si je mets le grizzly. Ah ouais, j'ai mis des mangeoires plateau, je sais pas ce qu'il leur faut de plus. Alors, les optimisations. Qu'est-ce qui va pas chez vous? C'est l'optimisation alimentaire, d'accord. Qu'est-ce qui cloche? On a déjà ça. Allez, 80%, c'est good. Là, il y a à bouffer, tu déconnes pas. On verra au 21 avec les armes d'une tronçonneuse, c'est ça. Non mais je comprends pas pourquoi leur bien-être aux ours ne monte pas. Le terrain. Ah il manque, il n'y a plus assez d'eau, putain. Bon. J'aime pas faire ça, mais là c'est juste pour la bonne cause. Merci. Animal gravement déshydraté. Mais bois, abruti, bois. La température, elle... Température est de 100%. Bon, ok. Ça me saoule, là, les ours. Bon, je vais mettre une conduite d'eau tant qu'à faire. Va boire, va boire. Allez boire. Parce que l'abreuvoir, il sert à rien. Il me met dans la merde. Pourvu que ça suffise. Voilà. Le coût du personnel, c'est good. Allez, bon. Là, on est pas mal. On va faire le Lycaon maintenant, tant qu'à faire. Je vais regarder un petit peu les animaux dans le zoo. Le lion, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas, mon grand? Qu'est-ce qui va pas? Il a faim? Et ça, c'est quoi? Ça passe, pourvu que ça passe.
régions d'Afrique de l'Ouest. S'il faut, je remets du... Enfin, ouais. Sinon, je vais lui mettre des arbres aussi, tant qu'à faire. J'ai retiré ça. Putain, ça me saoule des fois le jeu, tu comprends pas, tout va bien et d'un coup tout tombe. Alors prairie. Voilà, dites-moi que ça suffit un baobab. Ok, c'est good, par contre ça. Voilà. L'optimisation, on est bon. Quand il veut. Il va me falloir de l'eau. Putain. C'est horrible des fois ce jeu. Il manque de la roche, évidemment. Ok, c'est good. Ah, c'est le niveau social maintenant qui pêche. Et je peux pas en avoir d'autres pour l'instant. Là je m'en fous trop, c'est juste pour accélérer les gars, désolé. Il n'y a pas beaucoup d'immersion, mais là maintenant c'est mon lion qui me met dans l'embarras. Et je suis sûr que j'ai un autre lion, ou une lionne. Bon déjà 93%, paf. Là je redescends à 82%. Là les tortues. Ah ouais les tortues. J'en ai combien là d'ailleurs? Alors 5 loups gris. Bon, les crocos ça va. Alors lui le tigre. D'où j'ai plus de tigre? Ah bah d'accord, j'ai plus de tigre non plus maintenant. Tigre de Sibérie. Bon, ça va. Allez, on y va. On embarque. Si je la ramène, le tigre de Sibérie, espérons que ça suffise. Voilà, 84%. Bon, la brevure, on s'en fiche. Voilà, il ne manque plus qu'1% à faire. Voilà, c'est bon. Il faut que je trouve le 1% qui me reste. Mais... Il faut que je retrouve mes tortues, là. J'en ai combien que je peux? Les optimisations, il n'y en a pas assez étudié. Bon, bah ok. Hein. Est-ce que les tortues, elles aiment ça? Ouais, elles aiment ça. C'est une tortue des quoi? C'est des Seychelles?
du genre de séchage, ok. Arbre pour fruits, voilà. Balle pour chien, on en a une ou pas? Un canard, pourquoi pas. Là, les 85%, on les a, ça c'est bien. La meute de loup. La meute de loup, c'est par où? Je suis pas du genre à lâcher un joueur de ça. Il manque plus grand chose, allez. Alors ici, voilà, ça va. On va faire une plus grande mangeoire. Alors, conduit d'eau. Et... voilà. Là, ça devrait être suffisant, enfin j'espère. Alors, le social, qu'est-ce qui va pas? Optimisation, loup grillard. Alors, la bouffe. Voilà, ça c'est mieux. Oh, qu'est-ce qui va pas au niveau du social? Alors, le terrain. Voilà. Là, le terrain, c'est ok. Tu sais quoi, j'ai une idée. Bon, on va tricher un peu. Je m'explique. On a des bébés loups. Bah, tu sais quoi, on va les envoyer. On va tenter de... on va voir ce que ça donne, hein. Ça coûte rien. Logiquement, si je les mets tous les deux dans le centre. En vrai, ça devrait passer. Pouf, allez, faites que ça passe, les mecs, soyez cool. 86. On va encore perdre un, hein, avec des pourcentages, tu sais pas pourquoi. Allez, reste à 85, 86, 87. L'habitat 9, c'est qui? C'est notre lion. Allez.
Là, il va voir le guépard. Descends pas en dessous de 85. Descends pas en dessous de 85, s'il te plaît. Voilà. Attends, on va se mettre ici. Ah non, attends quoi? Regardez-moi tous ces différents types d'animaux. Je ne pourrais même pas reconnaître la moitié d'entre eux. Je devrais peut-être m'intéresser un peu plus à la paperasse. Vous avez fait du beau travail ici. Et je sais que ça n'a pas été simple. Surtout depuis que j'ai remplacé les agents de santé et sécurité par des agents de santé ou sécurité. Mais c'était pour une bonne cause, pas vrai? Comment? Pour les animaux? Non! Pour mon image publique. Avant d'être dans le business du zoo, j'avais très mauvaise réputation. Ça m'a même fermé quelques portes. Mais aujourd'hui, les gens se battent pour faire affaire avec moi. Alors, croyez-moi quand je dis que je n'oublierai pas ce que vous avez accompli pour moi. Je n'aurais pas pu gérer ces zoos sans votre expertise. Et je vous promets que vous aurez toujours une place dans mon entreprise. Alors, on va enregistrer quand même, bien sûr. Bah, quelle horreur ce zoo! Bah, vous aurez droit à toute la VOD, donc je la couperai, donc la première partie. Eh, deuxième essai quand même, hein. Il est pas évident. Donc là, on a fait 9 scénarios sur les 12 officiels. Après, il y a les deux du DLC. Donc le lieu du scénario, c'était... Ça ressemble à être au nord de la Russie, j'ai l'impression. Oh non, ça c'est le prochain, pardon. Non, le puma, il se trouve. Ouais, c'est ça, c'était au nord de la Russie. Oh. Hey, c'était un beau bordel, hein.